que vous allez bien. Donc en direct du conseil de prud'homme à Lyon, donc avec l'avocat, les chauffeurs qui étaient là, donc ça a été relié sur ma page Facebook, d'accord. Donc voilà, au rendez-vous, plus de 120 chauffeurs qui ont déposé donc leur dossier, qui ont déposé leur dossier au prud'homme. Donc voilà, et avec Mehdi. Donc petit compte rendu un peu, donc pour vous expliquer, le compte rendu est très simple. Et alors déjà le 10 juillet, il y a une petite date, donc parce que voilà, ils vont revoir les dossiers. À ce moment-là, les confrères vont essayer donc de multiplier par 3 le chiffre de plaignants. Voilà. Et donc comme vous le voyez ici, hop, en direct, vous avez tous les chauffeurs qui sont là et qui ont bloqué l'accès au tribunal des prud'hommes. Ouais. Voilà. Je m'appelle Younes, je tenais à te féliciter pour tout l'engagement que tu fais, je te suis depuis le début. Donc voilà, vous avez tous les chauffeurs qui sont là-bas, stationnés, en direct. Voilà. Donc petit compte rendu. Les chauffeurs lyonnais en fait sont arrivés pour déposer des dossiers contre Uber. Voilà, donc en direct de Lyon. Essayer de créer une dynamique au niveau national pour que tout le monde puisse faire cette action-là. Parce que voilà, encore une fois, Uber n'assume pas. Uber crée des pseudo-contrats entre voilà, un salarié et une société. Parce qu'ils disent qu'on est indépendant, mais on n'est pas indépendant du tout. Donc voilà, c'est un contrat fictif, d'accord, sur lequel on nous explique qu'on est indépendant, mais en réalité, on ne l'est pas. Donc voilà, vous voyez toutes les voitures qui sont là en direct, voilà, avec les confrères. Voilà, ils sont en train de partir. Merci. Voilà. Et donc, Rachid, mon confrère qui a déposé son dossier avec les alors, chauffeurs lyonnais. Je me suis déposé ici pour tout vous dire. Je me suis entretenu avec l'avocat. Ouais. Et on va mener une action aussi à Lille, sur Lille directement. D'accord. Donc on va déposer directement tous les dossiers sur Lille. L'avocat m'a dit clairement qu'il avait peur qu'il soit irrecevable ici sur Lyon, vu que j'ai bossé sur Lille. D'accord, voilà. Ok. Donc dépôt à Lille. Alors du coup, suite pour Rachid à Lille. Voilà. Pour moi, sur une autre juridiction, tribunal du commerce. Donc voilà, ça en cours aussi pour moi. J'expliquerai les raisons de tout ça. Mais voilà, je soutiens l'action lyonnaise. Je la soutiens à 100%. Je suis là et la preuve, regardez, hop, ils sont tous là au rendez-vous. Donc voilà, c'est en direct à Lyon. Merci à tous et à très bientôt.